Oh, on savait pas qui allait parler. Tabarnouche. Bienvenue! Yes! Okay. C'est une drôle de vue. Bienvenue sur musculationpresidence.com, les gars, c'est Étienne. Et c'est Charles. Et sur musculationpresidence.com, on répond à vos questions de musculation. On vous donne des conseils scientifiques de musculation pour prendre la masse plus vite. Et on vous demande des trucs de muscu au gym, mais pas cette semaine. Non. On va y retourner bientôt. On va y revenir. Yes! Cette semaine, on a un sondage pour vous sur les protéines et la créatine. Le lien est en studio. Il y a une surprise pour les gens qui répondent au sondage à la fin. Ouais. On a aussi un rabais sur le club du Super Musumo. Vous pouvez vous abonner pour 1$. Et il n'y a pas de pogne, pas d'attrape. Vous n'êtes pas obligé de rester membre. Et vous pouvez vous entraîner à la maison. C'est une question que beaucoup de gens ont. Ouais, c'est vrai, ça. Hein? Les programmes se font à la maison. On donne l'alternative pour chacun des exercices. C'est ça. Pour tous les exercices de machine au gym, là, il y a une version qui se fait à la maison avec peu d'équipement. Donc, plus d'infos là-dessus sur la page d'information. Moi, je pense que la plus grosse question, c'est y a-t-il un attrape ou quelque chose comme ça? Pourquoi vous mettez ça à une pièce? Mais c'est super simple. On veut aller au Brésil avec le plus de numéros de carte de crédit possible. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas accès à votre numéro de carte de crédit. Mais bref, comment ça fonctionne? C'est qu'on est certain que le club du programme du mois fonctionne en chien. Puis si vous n'êtes pas confiant de ça, vous aussi, bien, de votre côté, mais à ce moment-là, vous avez juste à aller sur la page d'information. Il y a plein de commentaires et de témoignages qui disent, dans le fond, que les gens ont eu des excellents résultats de prise de masse musculaire là-dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir le faire, le montrer à le plus de monde possible. Donc, on met l'accès vraiment là, dérisoire à une pièce pour le premier mois. Donc, prenez votre programme d'entraînement, prenez le bonus qu'on vous donne également, top 5 conseils alimentaires. Faites le programme d'entraînement, essayez ça. Puis là, c'est l'été, essayez ça, puis vous allez voir la différence. Puis si vous êtes comme les autres gars qui nous ont laissé des témoignages, puis qui disent « j'ai gagné 7 livres en 3 semaines, en 4 semaines », Fabien qui a fait ça, son message devrait être en dessous de vidéo d'ailleurs. Ben, tant mieux pour vous. C'est payant. Puis là, à ce moment-là, si vous dites, mais Colin, peut-être que le deuxième mois, ça va valoir la peine aussi que je reste parce que le programme, il complète le prochain, il complète le premier que j'ai fait. Mais là, à ce moment-là, mais on va être content. Mais si vous n'êtes pas content puis vous n'aimez pas le programme, tout ce que vous avez à faire, c'est nous réécrire. Puis il n'y a pas de pogne, puis vous ne payez pas. On vous désabonne. On vous désabonne, c'est fini. OK. Ben, c'est tout. Simple comme ça. Simple quand même. OK. Aujourd'hui, question de Francis de la Chine, 16 ans, membre avec nous. 2 mois d'expérience en musculation. 6 pieds 1, 146 livres. Fait qu'on sent que. Papa? Oui. Bonjour, j'ai 16 ans, je suis un ectomorphe. Je mange beaucoup et je pèse maintenant 146 livres. Avant, 130 livres. Depuis que je suis votre entraînement du mois de mai, cela m'a fait prendre 16 livres. Excellent. Félicitations, Francis. Puis un exemple, dans le fond, de client qui a pris de la masse vite. T'imagines 6 pieds 1, 130 livres. Ça, c'est pas lourd, hein? C'est une bonne idée de commencer à s'entraîner. Mais garde 16 livres, on est super content pour toi. Ben, 16 ans, ça arrive, ça. Ça arrive, hein? Ouais. Parce que tu grandis bien vite, puis t'es pas... Moi, c'est quand j'ai frappé le 6 pieds 6, là, j'étais maigre, là. Fait que je suis redescendu, tu sais. T'es redescendu, hein? Ouais, je me trouvais trop maigre. Oui, donc, continue à t'entraîner avec nos programmes, Francis. Tu devrais continuer à avoir des résultats dans ce genre-là. Je pense que tu as ta place pour prendre encore pas mal de poids, tu sais, fait que lâche pas. J'ai l'intention de continuer à prendre de la masse. Excellent. Mais bientôt, j'aimerais commencer un entraînement pour côté. OK. Je ne sais pas du tout comment est constitué un programme pour côté et je me demande s'il y a des choses à spécifier si je suis ectomorphe pour suivre ce programme sans perdre sa masse. Oui, il y a des choses à spécifier puis on a beaucoup de choses à dire, Francis. Toi, c'est toi qui commences. C'est moi qui commence. OK, bien, je peux commencer. Commence donc parce que j'ai deux bonnes idées, mais je suis sûr que tu vas en dire une des deux. OK, c'est bon. Donc, première chose à faire, c'est que lorsque tu veux perdre du poids, puis ce qu'on fait avec le club du programme du mois, c'est qu'on t'encourage à t'entraîner en force lorsque tu veux perdre du poids. Donc, c'est une super de bon moment. Toi, on voit que tu dois quand même pas être obèse à 146. Non, pas obèse. Pas obèse. Donc, ce qu'on recommande, c'est de faire 3 semaines en hypertrophie où tu manges pas mal, tu prends du poids, puis à la dernière semaine, là, tu t'entraînes en force et tu cotes en même temps. Donc, ça te permet, si tu as accumulé un petit peu de gras en trop dans tes 3 semaines, de le perdre la dernière semaine, de reposer ton corps un peu en t'entraînant en force, en ayant un moins grand volume également, on donne moins de volume d'entraînement et tu repars ton mois futur, dans le fond, là, top shape avec un nouveau programme d'entraînement. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau de l'alimentation, lorsque tu veux perdre du poids, il y a des choses qui sont importantes. De un, c'est de ne pas trop couper trop vite parce que sinon, si tu perds trop vite du poids, mais tu perds du muscle. Et ça, c'est pas tous les gars qui savent ça, mais lorsqu'on perd du poids, c'est pas juste du gras. Habituellement, c'est comme 75% du gras puis 25% du muscle.
Et là, c'est quand même pas mal, 25 %. Donc, comment qu'on fait pour réduire ça? On réduit ça en continuant à s'entraîner. Comme ça, tu dis à ton corps que tu veux garder ta masse musculaire. Tu réduis ça également en perdant pas du poids trop vite. Donc, si tu perds comme 3-4 livres par semaine, malheureusement, tu vas avoir perdu une bonne quantité de muscle. Donc, tu ne veux pas aller plus haut que 2 livres par semaine. Et si toi, tu as juste 5-6 livres à perdre, tu ne veux vraiment pas aller plus haut qu'une livre par semaine. Mm-hmm. Sinon, tu vas perdre du muscle. Ouais, ça va là. Et la dernière chose, c'est de manger assez de protéines. C'est bien important de manger beaucoup de protéines. Tes muscles sont faits de protéines et ton corps va aller en chercher dans tes muscles pour les défaire tes muscles puis dans le fond, là, perdre de la masse musculaire si tu n'as pas beaucoup de protéines. Mais si tu en manges beaucoup dans ton alimentation pendant que tu as un déficit calorique et que tu perds du poids, ça va prévenir la forme de tes muscles. C'est hot, ça. Charles, j'avais deux idées puis tu as donné les deux. Ah ouais? Mais je pensais à d'autres choses. OK, c'est bon. Ouais. C'est bon. Moi, dans la deuxième vidéo pour les membres, je vais vous parler de ce que je fais avec mon groupe d'entraînement semi-privé. On vient de commencer un programme de perte de gras. Puis, je fais deux interventions bien spécifiques pour maigrir qui sont, à mon avis, les plus efficaces, la façon la meilleure pour maigrir. Fait que je vais vous dire ça dans un instant, les membres. Puis les non-membres, ben merci de nous écouter. Si vous ne l'avez pas encore fait cette semaine, vous pouvez répondre au sondage sur la créatine et les protéines, c'est en dessous de vidéo. Et aussi, aller jeter un coup d'œil au club du programme du mois, 1 $, pas d'attrape, pas de contrat, whatever, information en dessous de vidéo aussi. Merci de nous écouter, à demain. Les membres, à demain, à tantôt les membres. À tout de suite.